Salut à tous, c'est Jokfun pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour que je vous présente mon usine à seau d'eau. Donc j'ai vu que Xisuma avait fait une version de ce système. En fait, lui il met plusieurs seaux dans un seul coffre et dans un coffre un peu plus loin arrivent les seaux d'eau qui sont tous pleins. Donc je vous mets en annotation le lien de sa vidéo. Moi, mon système marche dès qu'on met un seau ici, donc là j'ai une réserve à seau d'eau. Et eh bien, quand on cliquera, ce sera un seau d'eau qui arrivera par ce dropper. Je passe à la démonstration tout de suite. Voilà, j'ai cliqué dessus et regardez, un seau d'eau est arrivé. Et ici, il y a un seau vide qui a disparu. Donc, le seau qui est ici. Regardez, encore une fois, on attend 2-3 petites secondes et voilà, on a un nouveau seau. Donc, regardez comment le système est. Donc, relativement compact. Et je vais passer avec vous pour la construction, comment le réaliser. Donc à présent, voyons voir qu'est-ce qu'il faut pour la construction du système. Donc il nous faudra 10 poutres de redstone, 8 torches, 3 répéteurs, 2 comparateurs, 2 droppers, 2 hoppers, un dispenser, un bouton, 2 seaux d'eau et un nombre X de blocs. Toc, je prends tout d'abord tout ça. Donc on va faire la structure de base qu'il y a de plus simple. Alors on va commencer. Je vais vous mettre le jour. Voilà. Donc commençons. Alors. Toc, toc, toc. Hop. Un dropper ici. Là, on va mettre encore un dropper. Toc. Un hopper. Là, le dispenser qui sera placé ici. Et enfin, le dernier hopper qui sera là. On casse ce bloc, toc, on met le bouton. Et maintenant, on peut refermer la structure. Hop, hop. Voilà, maintenant on va passer donc aux éléments de redstone. Toc, 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 toc. Alors, ici, vous placez un bloc, vous cassez celui-là. Toc, on casse là, là. On va casser là pour l'instant. Voilà, une torche de redstone. Une torche de redstone. Trois poudres. Une torche de redstone. Une poudre. Et un comparateur. Maintenant, on va placer bloc. Toc. Toc, toc, toc. Là, on va placer comme cela. Hop, un bloc ici. Repeater, repeater, celui qui est en bas il doit être à 4 ticks, c'est important. Comparateur, donc le seul repeater où vous devez faire attention c'est celui-là. Hop, torche de redstone, torche, poudre et torche de redstone ici. Masse. Toc. Ensuite un ascenseur, hop. Là, je dois le placer ici. Bloc. Non, pas une torche, pardon. Une poudre. Toc. Vous mettez un bloc ici. Un bloc comme cela. Hop. Deux blocs comme là, comme cela. Un bloc là. Un bloc là. Un bloc là. Alors là, je vais faire comment pour pas que ça soit trop sale. Je vais faire comme ça. Hop. Hop, hop. Vous placez une poudre sur le dispenser, une poudre ici, une poudre là, donc là on est en train de construire un pulse limiteur, toc, un repeater à 3 ticks, et une torche, mince, une torche là. Voilà, là on a quasiment terminé le système, il ne nous reste plus qu'à placer l'eau, donc toc, 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 il faut faire une structure en... Comment on dire, en croix comme ça. On va placer un bloc là, hop, un bloc ici. Mince, bon, ça c'est pas grave. Là c'est bon, un bloc là. Oh, merci. Hop, et un dernier bloc ici. Voilà, maintenant on va chercher les deux derniers éléments qui sont les seaux d'eau. Voilà, on prend les seaux d'eau, on en met un là. Le deuxième que vous avez, donc vous le mettez ici
Et là, c'est terminé. On a terminé avec le système. On va juste aller chercher quelques sauts pour voir si tout marche bien. Hop. Hop. On appuie sur le bouton. Et voilà notre saut d'orgueil qui est arrivé. Donc voilà, on a terminé le système. J'espère que l'explication vous a plu, la construction aussi. Si vous voulez plus de construction, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si le système vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens!